Et salut tout le monde, Sonic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu A Plague Tale Requiem. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je tourne à la suite parce que j'ai envie d'avancer, parce que je kiffe ce jeu malgré les petites taches vertes qui apparaissent sur mon écran des fois. Je sais pas si vous, ça vous l'affiche, mais voilà, moi j'ai des petites taches vertes des fois qui apparaissent. Bon, c'est pas non plus ultra désagréable, mais c'est un peu dégueu quand même par moments, ces petites taches vertes. Bref, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je crois que je l'ai déjà demandé cette question, ça filme bien, j'aime bien vérifier. Alors, on s'est arrêté ici, on devait aller trouver Joseph au niveau du ponton là. Il a pris le bateau pour qu'on puisse se barrer avec tout le monde. Et il est là d'ailleurs, je crois qu'on le voit. Oui, donc on va aller. Bon, on va aller le voir tout simplement. On a un établi ici, mais bah, je voulais avoir Bon un deuxième outil pour avoir accès à ça. De pouvoir m'améliorer n'importe où, sauf que j'ai pas eu de nouvel outil. Donc je trouve ça bizarre qu'il me propose une nouvelle table sans nouvel outil. Ça me fait un peu peur, ça me fait me dire que j'ai raté un outil peut-être. Bref. Bordel, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Attends, laisse-moi pas Vous deviez fouiller, nous ok. avoir attendu. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bon, où est le reste du groupe? En ville, il prépare le voyage. Je dois. Ah, on va se barrer, on va se retrouver séparés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous au quai, près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me demande, vu comment on n'est plus du tout avec Hugo depuis longtemps, je pense qu'on va être séparés à un moment. Et ça va peut-être arriver maintenant. Vous pensez que c'était quoi? Je sais pas, ça m'a réveillé. Ah, la maison! C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous! Que se passe-t-il? On doit savoir! Dites la vérité! Non! Fuyez vite! Oh putain! Je joue là? Parce qu'elle reste sur. Non! Oh là, je joue par contre! Oh là 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 là! Ça y est, ça explose dans la ville. Comme on l'avait prédit. Oh putain. Seigneur, je le savais, je leur avais dit que ça arrivait. C'est à cause de ce maudit vaudan. Voilà, attends, y a rien à récup là, parce que je trouve ça bizarre de me faire passer dans cette maison là. Ça me perturbe cet élément. Non, ok, c'est bizarre. Non, non, mais faut qu'on trace là. Hein. Ça y est, ça explose. C'est le moment que je voulais, tant qu'il arrive. La maison. Je peux y arriver. Elle va exploser. On va l'avoir explosé au loin, tu vas voir un mot. Oh putain. Oh, mais ça fait tout s'effondrer. Oh là là. Mais ça prend ça prend une ampleur. Cours, 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 cours. Oh putain! C'est tellement trop bien. Ah oh, désolé, c'est mort. Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là! Mais les plans sont incroyables. Les plans sont incroyables. La scène, le passage, il est incroyable. Oh là là, mais hey, franchement, je suis étonné hein, depuis ta. Je. L'évolution, elle est incroyable. C'est votre fils, faites quelque chose. Ah, oh, la protectrice, elle était trop. Il ne se calme pas, je ne sais plus quoi faire. J'y vais. Hugo. Hugo, c'est moi. Thank you.
fait un cauchemar. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Le Vaudin, là, il est mouru, on est d'accord? Bon, bien fait pour sa gueule, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, je pense pas que Hugo pouvait autant impacter le monde. Je devrais le porter. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est incroyable, hein. C'est sans précédent. C'est, franchement, cette séquence, mais elle est que incroyable. Putain, j'ai bien fait d'arrêter mon épisode là. Pas au dernier truc. Ça filme bien, ça a pas bugué pendant cette. J'espère que ça a pas bugué parce qu'il y a tellement d'agitation. Oh là là, j'ai trop kiffé. Non mais rendez-vous compte du premier jeu, c'était quoi quand même? Rendez-vous compte la différence qu'il y a. Je suis désolé, je suis subjugué. Puis là, c'est incroyable. Le décor, il a complètement changé quoi. C'est incroyable. Et le lien qu'il y a entre Hugo et Amicia est fort, hein, parce que c'est ce qui a permis à Hugo d'arrêter tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Eh ben, la ville elle n'est plus. Hein. Tous ces gens, c'est trop tard. Continuez. Qui c'est? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... les rats. Ils ont attaqué. Non. Non. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non. C'est ma faute. Non. Ce n'est qu'un rêve, d'accord? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais... je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Tu mens. Hugo, S'il te plaît, calme-toi. Mais voilà. Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Ça m'a donné des frissons, ce dialogue. Ah, je trouve tellement... le voice acting, il est incroyable, je trouve. Je le dis, le doublage des persos. Je trouve que c'est ce qui fait tenir le jeu. Franchement, le doublage français, il a rien à envier à quoi que ce soit. Je connais pas l'autre doublage, d'accord, mais... en français, en tout cas, putain, il fait vivre le jeu. Franchement... ou même sans ça, le jeu il vit très bien, mais ça fait tellement. Je sais pas, ça fait ressentir le truc. La voix d'Hugo, sa mère, on l'entend pas souvent, c'est pas un personnage qui est très présent. Mais son doublage aussi, là, il était incroyable. On sentait des arrois et tout. C'est incroyable. Le doublage est incroyable. Il n'y a que nous, Magister Vaudin. Je vois, dans ce cas, traînons pas.
C'était incroyable. Waouh. Le chapitre, je suppose. 5 dans notre sillage. C'était formidable. Waouh. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Eh, hey, tu faisais un rêve. On est arrivé? Non, mais c'est plus très loin. Hé hey. Ne regarde pas. Pourquoi? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère, pense que tu... Non! Sur l'île! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Trouver une île quelque part dans le monde, c'est pas donné, hein. Va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris! Ils nous bloquent le passage! Je vais jeter un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. J'aime tellement le personnage d'Amicia. Je la trouve tellement humaine. Je sais pas. Là, je suis en plein kiff. Là, je vais arrêter cet épisode à un moment et je vais vouloir continuer. Et encore continuer. On est dans ce passage où j'ai juste envie de continuer à 24. J'avais déjà envie de continuer avant, hein. Bien entendu, j'ai jamais envie de m'arrêter sur ce jeu. Mais là, on est dans le moment, je pense, où je suis dedans, quoi. On peut aller. Bon, par contre, ça me dérange vraiment ces petits points verts. Ça me faisait pas autant là avant. Je
Je me demande si je devrais pas essayer de relancer le jeu. Ça me refait un point vert, je relance le jeu. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Vous allez devoir nous rattraper ! Quoi ? Amicia ! Suis-nous ! On attendra plus en aval ! Allez, viens. Il faut qu'on trouve un chemin. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Ouais. Ok, ça m'a fait un point vert. Je vais essayer de relancer le jeu. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est très énervant. Donc, retour en jeu. On va voir si ça me fait des points verts. Si ça fait des points verts, bah je suis vraiment désolé. Je trouve que vous voyez même pas. C'est une tragédie. J'espère que ça a pu le faire. Trop tard. Mais cette île. Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question c'est où ? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ? Ça m'est égal. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Ah, écoute, Lucas, t'as dit que t'étais de mon côté. Ah, j'ai cru que je pourrais escalader, qu'il y avait peut-être un truc à explorer et tout. T'as dit que t'étais de notre côté, hein. Moi, je suis plus pour l'idée de l'île. C'est Hugo qui a la maladie, c'est Hugo qui voit ce qu'il voit, qui se sent plus à même de savoir ce qui est bon pour lui, peut-être. Donc, moi, ça me paraît très logique que le choix d'Hugo soit le bon. Et comme je disais, je kiffe le personnage d'Abyssia parce que je la trouve humaine dans sa compréhension, dans sa manière d'agir. Je sais pas, je la kiffe. Là. Allez, suis-moi. Elle se laisse déborder des fois par ses émotions, mais c'est normal. Je sais pas, je la trouve trop bien. La rivière est là. C'est une héroïne qui a de la gueule. Les voilà. Bon sang. C'est encore pire vu d'en haut. Cette odeur est insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hé hey, ils sont là-haut. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Les rats sont dans les parages. Alors qu'il fait jour. Que se passe-t-il? C'est eux. Ils sont déjà là. C'est abusé, il fait jour. Oh, on est en sécurité, je crois. On a eu de la chance. Est-ce que ça va? Oui, ne t'inquiète pas. Elle va bien, Hugo. Ils vont bien tous les deux. Oui, mais il y a les rats. On sait quoi faire. On arrive. Alors, par où on commence? Il y a des brasiers de l'autre côté. Allez, cours. C'est de la paille, ça dure pas éternellement, ça. C'est comme dans le premier jeu. Oh, bon, c'est un début. On est encerclé. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage. Ah non, ça a l'air de durer en fait. Non, ça dure pas. On devrait tenter le coup. Il y a une cuve dans le coin. Il doit y avoir un contrepoids. J'ai même pas. La grue. Toi, utilise ta fronde. J'ai même pas utilisé la grue. Qu'est-ce que tu me parles? Attends, ça fait quoi? Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Et voilà, ça tient pas du coup. Ok, ok. Lucas, c'est pour toi. Bien. Tu as vu ce trou? Ce dont ils sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Mais Hugo, j'avais pas bien compris que c'était l'état d'Hugo qui faisait autant empirer les choses. Quoi. Attends, mais ça a passé là, ce qu'il me fait? Oh, la paille ne suffira pas. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais... Je pense pouvoir t'aider à traverser. Oui. Essaie de bouger la botte de paille vers moi. Je devrais pouvoir l'allumer. Ouais, utilise tes compos un peu, là, parce que...
Je dis tout ce que j'ai. Elle arrive. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout peut s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi elle ressent ça. J'y suis. Bloque là ici. D'accord. J'arrive. On prend ton temps, hein, surtout. Allez, on peut continuer. Amicia ! Oui, on arrive, Hugo ! Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien, Lucas, à toi de jouer. D'accord. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi ? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. Fabriquer son munition, ok. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Oula, attendez, j'ai pas le bon truc là. Maintenant, j'y vais. Vite. Pardon. Je tousse encore, hein. Je cours pas trop là. Oula, oula, oula. Du lumino, ça, non, c'est quoi? Vite, ça durera pas. Ok. Pyrite. Pyrite génère de la lumière à l'impact, on va échapper au rat. Oh, qu'est-ce que c'était? Waouh. La pyrite, un minéral. J'en ai trouvé en chemin. Eh bien, ça m'a sauvé la vie. Merci. Je m'attendais à des étincelles. Pas à ça. Il m'en faudra plus. Pense à en ramasser d'autres. Et maintenant, à moi de te faire passer. Ok, donc. Dans le jeu, dans le premier, c'était du luminosa et ça crée un truc au sol qui tirait pendant un instant et qui pouvait nous sauver des rats. Là, ça crée un truc. Ouais, on le voit en bas à droite du coup. En fait, ouais, voilà, c'est comme dans le premier jeu où on a un truc qui permet d'endormir les ennemis et un qui permet du coup d'éclairer une zone qui sont des objets qu'on peut crafter mais qui coûtent énormément de ressources. Là, ce sont des objets à trouver qui apparemment sont rares. Donc, pyrite et couteau. Et la musique s'excite. Bon, elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas. Rien de presse. Qu'il ne voit pas jusqu'ici. Alors pourquoi... Oui. Ça se fait un peu tôt, non? Peut-être te lancer un bâton. Oui, beau lancer. Belle réception. Ah. À moi. Seigneur. Tu peux y arriver. Continue de courir. Oui. C'est juste des rats. Hein? Je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Allez. Allez. Ya! Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Eh ben, tu cours plutôt vite. Merci. Une bonne motivation. C'est la clé. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. D'accord. Prépare-toi. Attends, faut que je te libère en fait. Il y a un truc à ouvrir là, non? Il y en a pas un coffre? Ok. T'as réussi. J'adore ton cri de guerre, en fait. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan, je crois. On est tout proche. Respire. J'essaie. Allez, bien. Établi. Mettons-nous au travail. Et du coup, j'ai de l'outil pour avoir ça. Je peux m'améliorer n'importe où. Je comprends bien, j'ai juste à faire ça et voilà, amélioration. J'ai pas assez de matériaux, hein, bien évidemment. Mais... On a accès à ça.
On a du bâton là, j'ai vu, oui. Alors je vais... quelque part. On peut descendre là. Mais... mais là-bas, il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien vers là-bas. Je vais en bas, là où il y a le feu. Bien, on y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Baudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Ah, ok, là. Amicia, j'ai eu peur. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. C'est contre un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Ah, ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Alors là, je crois que j'ai pas pigé. Je peux pas revenir en arrière, hein, bien d'accord. Bah, Steve, pour voir, j'ai Lucas, pas compris. Toi de ça, s'il te plaît. Naturellement. C'est coincé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. Mais quel bac? What the fuck? Ah, mais attendez, s'il y a des choses. Ah, ok. Attendez, non, c'est un truc secret, là. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Lucas, tu peux t'en charger? Bien sûr. Ouais, c'est un secret ou c'est la suite, ouais. Là où je fais? Tu trouves un passage? Il y a un trou, là. Ouais, non, c'est bon, c'est la suite. Ah, sympa. Pardonnez-moi. Oh. Oh. Oh, non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. J'ai pas le choix. Un cadavre qui bloque. Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. Réussi. Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Oh. Tout va bien? Prête? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Vas-y. C'est bon. Arrête. Désolée, Amicia. C'est rien. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Ah, arrêtez. Ouais, voilà. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île, pas maintenant, Amicia. Très bien. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose? Je cherche. Forcément quelque chose ici. J'aime ce jeu. Je sais pas, l'ambiance, les musiques. J'avais oublié mon ressenti du premier jeu, quoi. Et là, je le revis, quoi. Comment j'ai pu attendre autant de temps pour jouer à ce jeu, quoi. Je m'en kiffe. Je m'en kiffe.
Bon, attendez, faut que je passe quoi là? Attendez, je sais pas par où le taper ça, mais. Vraiment un truc que je peux faire tomber. Mais le jeu ne veut pas le loquer. Mais un trou, un chemin, un truc que je vois pas. Parce que pour moi, à part ça. Ça arrive doit bien. marcher. Ok, bon, depuis. Écarte-toi de la chaîne. Depuis tout à l'heure, il voulait pas, mais. D'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Calme-toi. Concentre-toi. Regardez, elle parle toute seule et tout. Elle, je sais pas, je la trouve tellement naturelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, deuxième coffre qu'on ouvre. On aurait pu en ouvrir un avant. Mais. Et donc, ouais, c'est bien. C'est le couteau que j'ai récupéré. Il y a des plombs. Donc, vraiment, faut pas les utiliser. Hein. Hyper important. Voyons ce qu'on peut faire. Du coup, bon, j'ai pas envie de l'acheter, le truc d'avoir l'outil machin, ça me fait un peu chier. Pour apporter des couteaux et des pyrites supplémentaires, parce qu'on est bloqué à combien en fait? C'est ça que je me pose en question. Je t'avoue que je suis pas très fan des autres trucs. On va prendre quand même le truc de la fonte parce que c'est basique. Ça a l'air très bien. Et que c'est vrai que ça peut m'être utile de pas faire de bruit quand je cite la fonte. Mais après, je vous avoue que les autres trucs m'intéressent pas. J'espère avoir des nouvelles améliorations de dispo dans pas longtemps pour avoir plus de choix. Hey. Mais il y en a du secret dans ce jeu. Eh B? Qu'est-ce qu'on va bien trouver? On se fait plaisir, hein? Il y avait une armoire. Là, il y a un gros coffre. Non, on se met bien, hein? Un plein de petits chemins cachés, hein. J'aime beaucoup quand les jeux font ça. Dommage que ce soit pas non plus un jeu de survie ultra évolué quand même, niveau ressources et compagnie. J'aime bien justement dans les jeux de survie devoir chercher plein de petits chemins cachés comme ça. Ça te permet de trouver des ressources pour mieux s'en sortir. Bon sang, comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi, tu es bouleversé. Tu sais pourquoi, Lille. Tu verras ça plus tard. Reste concentré. Ok, waouh. Ok, donc ça c'est pour après, clairement. Niveau utilité ici, c'est pas le top. On va pousser ça. On peut grimper là-haut, mais on peut aussi grimper là. Vas-y, on va grimper là pour commencer. Et ouais, elle cherche à se convaincre d'oublier cette histoire d'île, mais bon, elle pense qu'à ça, hein, c'est évident.
Attendez, je pense que je peux faire tomber le pont là. Non? Oui. Peut-être un truc annexe là encore, je pense que oui. C'est beaucoup d'efforts pour un chemin quand même. Eh, la fleur peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fleur. On part un peu plus dans la nature là. Ah oui, voilà. Salut toi, petite naufragée. Désolée, mais je vais avoir besoin de toi. Tout ce qui peut lui redonner le sourire. Qu'est-ce que c'est comme fleur? Une anémone. Bon, au moins trouver toutes les fleurs sans faute, ça ce serait cool. Normalement, il y en a une par chapitre, je pense. Alors, tu veux pas remonter et arrêter de descendre seul? La sauvage anémone s'épanouit particulièrement sur les rives de la Méditerranée. Anémone en grec signifie la fille du vent, car lorsqu'elle fleurit par gros temps, elle sème ses graines duveteuses qui peuvent parcourir des distances incroyables. Dans la mythologie grecque, elle est associée à l'abandon. Elle sera en effet née des larmes de la déesse Aphrodite, pleurant la disparition d'Adonis. Selon les croyances paysannes, elle annoncerait donc une pluie imminente lorsque ses pétales se ferment. On est à combien de temps? On est à 20 minutes. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai coupé l'épisode à un moment. Ah, je crois qu'on est à presque 40 minutes. On va essayer de passer toute cette section là. J'ai du mal à articuler bonjour. J'ai pas de souvenir pour l'instant dans ce chapitre. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Ok. Et du coup, je comprends pas l'utilité de quand je pouvais rentrer dans le trou là. Ah. Comment? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je devrais pouvoir revenir maintenant. Ça fait quoi ça? Ça bouge la plateforme. Ah, c'est pour que je déplace la caisse là-bas. Dans le pied. Le Lucas là, je sais pas où est-ce qu'il est passé, apparemment il a disparu. Viens ici, j'ai besoin de toi. Ça devrait marcher. Bien, trouver une île. Comment tu vas faire ça? Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. Eh, c'est son idée, trouver une île parmi plein, dans un monde, enfin c'est possible. Dégage. Je tremble comme une feuille. Merci. Il y a trop de rats. Je ne peux pas vous rejoindre. Amicia, dégage-lui un passage. Comment? Fixe de l'ignifère sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il devrait continuer à brûler. Compris. Lucas, je te dirai... Les carreaux d'arbalète se plantent dans les éléments bois pendant leur effet permanent. Ok, bien. Merci. Ça ira. Je commence à voir un chemin. C'est bon, tu peux venir. Oui. Bravo. J'arrive!
va ? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène ? Qui est cet Arnaud ? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons ! Vite ! Vas-y. Essaie ! Voilà. C'est de protéger tant que vous visez pas. Je me suis juste défendu. Amicia, abrite-toi avec nous. Non, quelqu'un doit couvrir Joseph. Ne sois pas stupide. Ils sont trop nombreux. Je sais, vous occupez pas de moi. Oui, d'accord. Attention, Amicia. Promis. Cache-toi. On va s'en sortir. Oh là, mais le jeu est tellement plus énergique que le premier. À gauche, à gauche, à gauche. On peut les faire brûler eux aussi. Ça prend trop longtemps. Oui, Amicia, viens ici tout de suite. Oui, ça suffit, mère. Et voilà. Alors, vous aimez ça ? Ah, j'avais bien l'impression que vous pouvez faire brûler. Sérieux, j'ai réussi, mais depuis tout à l'heure je tire, ça marche pas quoi. À l'aide. Depuis tout à l'heure je tirais dessus, ça marchait pas quoi. Oui, venez, vous aurez ce que vous méritez. Faut que je la joue plus à couvert hein. Allez, là on fait attention. On attend qu'ils tirent. Oh merde! Non! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Joseph est mort! Ne sortez pas! Protégez Hugo! Ah! Salaud! Arrête-toi à l'abri! Ils nous tiennent! Je dois dégager le bateau! Arrête! Ils te tueront! Les tue avant. Restez à l'intérieur, sauf si vous voulez vous battre. Maintenant, elle était pour vous avec l'arbalète. Ils arrivent à couvert barrière. Je vous tuerai tous. Je vais à le bateau. Ok, ok, ok. Attendez, j'ai un temps de pause là parce que ça s'arrête jamais ce jeu. Laissez-moi vivre. Ça a l'air d'être calme.
Ok, enfin d'être calme. C'est la guerre là un peu, hein, mais ça s'est calmé. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Ok. Ça va, ça a l'air de se calmer tant que j'avance pas plus. C'est fort en action, hein. Cet épisode est fort en action. Ça s'arrête jamais. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai envie de continuer, mais bon, faut que je m'arrête là quand même à un moment. Il faut pas abuser. J'espère dans tous les cas que cet épisode là vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire, et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.